Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Première vidéo de l'année 2021. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que tout s'est très bien passé pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo terrassement, principalement. Donc toute la vidéo va être basée sur une plateforme qu'on a creusée courant décembre. Donc c'est une plateforme pour la construction de la maison de Steve, de la chaîne Steven Wood. Donc, au programme, on a fait la plateforme, mais tout s'est pas très bien passé comme prévu. Donc, je vous laisse voir tout ça dans la vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure. Florian va créer pour éviter que l'eau s'éparpille trop, et après il faudra prendre une pompe pour l'évacuer, parce que si le problème c'est que si toute la plateforme se remplit d'eau, bah après ça va être beaucoup trop compliqué à évacuer, ça va prendre trop de temps. Donc voilà, on croise les doigts pour que, on va dire, que la nouvelle plateforme ne s'emplisse pas trop vite et pour pas qu'il s'enfonce dans le terrain, parce que bah c'est quand même assez meuble. C'est beaucoup moins rempli. Bon, y a une flaque, mais c'est vraiment pas grand chose. Et là, malheureusement, faut dégager la terre. Donc ça prend toujours un peu de temps. Donc surprise de ce matin, la plateforme qui est remplie d'eau. Donc on a sur la totalité environ 15 à 20 cm de flotte qui est montée cette nuit. Donc là le but va être de casser le barrage pour ensuite mettre en place un système de pompage avec un bassin de récupération, tout ça comme je vais vous montrer. Et donc voilà, petite surprise qui va nous faire prendre un peu de temps, mais heureusement on a des
locataires réactifs, du matériel, donc on peut travailler comme il faut. Comme vous voyez, la plateforme elle est remplie d'eau. Le terrain en fait est gorgé d'eau et pendant la nuit bah, ça a tout fait ressortir. Donc c'est vraiment une pâte aux joueurs. On voit la profondeur sur d'autres vidéos. Donc en fait on va prendre la pompe là, on va la mettre dans le trou. Ça va remplir le trou. Et ensuite ça va aller dans cette petite tranchée qui va servir d'évacuation pour aller dans le fossé communal, mais qui est aussi rempli à craquer. Ce qui fait qu'on est obligé de le creuser.